Merci à Nathalie, qui est une des lauréates du concours Moulinex Compagnon. Et on va réaliser sa recette, grâce bien évidemment au compagnon, des éclairs rose bonbon à la fraise. Alors on va commencer par faire la pâte à choux. Regardez la pâte à choux, on va mettre de l'eau, du lait, pour avoir une pâte à choux plus moelleuse. On va mettre une belle pincée de sel, très important pour réussir un éclair, et une grosse pincée de sucre. Ok ? On a préparé du beurre coupé en petits morceaux. Et voilà, on va faire chauffer l'ensemble. Alors allez, je referme mon cuisine compagnon. J'ai mis mon mélangeur à l'intérieur. On va mélanger vitesse 1, 130 degrés, pendant 3 minutes. Hop, et c'est parti. Voilà, 3 minutes, ça boue. Vraiment, ça boue là. Et ici, d'un seul coup, je jette toute ma farine. Je referme vite mon compagnon, d'accord. Je vais mettre vitesse 2, d'accord. 15 secondes. J'ai réalisé ma panade, vous voyez cette pâte assez épaisse. Et maintenant, je vais incorporer mes œufs progressivement. Alors, je ferme mon compagnon, j'ouvre le capuchon, je vais régler vitesse 3, je vais démarrer mon compagnon et je vais incorporer progressivement mes œufs, un par un. Alors, j'hésite pas à accélérer un petit peu la vitesse. Mes œufs sont incorporés. Je stoppe mon compagnon, j'enlève la spatule et je vais vérifier surtout si ma pâte est parfaite. Alors regardez, on a une pâte très très lisse. Vous prenez une spatule comme ça. Quand vous avez la petite pointe comme ça, là, c'est que votre pâte à choux est parfaite. Je vais la mettre dans une poche à douille et après, je vais coucher mes éclairs. J'ai rempli ma poche à douille de pâte à choux réalisée au compagnon. J'ai une petite douille cannée. Regardez, je vais coucher 8 petits éclairs. Tout simplement. Hop. Vous les faites de la taille que vous voulez. Allez, un huitième petit éclair. Maintenant, je vais saupoudrer de sucre glace mes petits éclairs. Je ne mets pas de dorure, hein, parce que je trouve que ça fait un petit peu éclater les choux. Et petit secret, alors vous laissez croûter un petit peu vos choux avant de les cuire. Au minimum, une petite heure, c'est parfait. Ou alors, vous pouvez même les congeler, les cuire congelés, ça marche très très bien. Vous pouvez même les préparer à l'avance. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais les cuire 25 à 30 minutes, à tout à l'heure. Pendant ce temps-là, je vais réaliser ma crème pâtissière. Allez, pour la crème pâtissière, vous allez voir, c'est très simple. Je remets ma spatule, je mets mes jaunes d'œufs. Hop. Alors, la crème pâtissière en cuisine compagnon, vous allez voir, c'est trop trop simple. Je vais rajouter mon sucre, ma fécule. Voilà. Et je vais refermer le couvercle de mon compagnon. Vitesse numéro 2 pendant quelques secondes. Voilà, j'ai un mélange bien homogène. Je vais rajouter mon lait froid, tout simplement. Ma petite gousse de vanille grattée comme ça, là. Hop, on récupère bien bien l'intérieur avec les grains de vanille. On met la gousse. Je referme mon compagnon. Et là, toujours vitesse numéro 2. Par contre, là, on va la cuire. On va monter à 130 degrés et le temps, ça va être 5 minutes environ. C'est parti. 5 minutes, hop. Regardez la crème pâtissière, super cuite, nickel, nickel. Là, on va rajouter le beurre. On va en profiter pour rabattre
un petit peu les côtés là, de la crème pâtissière cuite. Je referme mon compagnon, d'accord. Je ne mets pas de température. Je vais mettre, par contre là, je vais sélectionner vitesse 4 ou 5, assez rapide. Et je vais bien mélanger pour incorporer le beurre pendant environ 30 secondes. Voilà, ça fait 30 secondes. J'ouvre mon compagnon. Je retire mon mélangeur. Alors, c'est pratique. Voilà. Et je vais débarrasser la crème pâtissière, regardez, sur une assiette filmée. Voilà, et je vais déchirer le film un peu plus grand et je vais le rabattre et filmer au contact, hein, vraiment pour pas qu'il y ait la formation de croûte. Et je vais le mettre 15 à 20 minutes au congélateur ou 1 heure à 2 heures au réfrigérateur. À tout à l'heure. Voilà, les éclairs sont cuits. Vous les laissez refroidir sur une grille pour qu'ils restent bien, bien croustillants. Et ce qui est important, regardez, c'est qu'ils soient bien, bien secs, d'accord, à l'intérieur. Vous voyez, c'est très important, c'est ça. On va garnir, regardez, hop, deux petits points, l'intérieur de votre éclair. On a fait une petite gelée de fraises gélifiée. Vous mettez à l'intérieur un petit peu de gelée de fraises. On recouvre de crème pâtissière. Allez, hop. J'ai préparé une petite glace royale, d'accord, à base de fondant et un petit peu de colorant rouge. Je vais faire un petit marbré. Alors, on peut aussi glacer en entier, hein, sans aucun problème. Et moi, je suis pas un très grand amateur de fondant. Je prends délicatement mon petit couvercle d'éclair et je vais le poser. Voilà, je vais tasser légèrement. Et mon éclair rose bonbon est prêt. Et je vais réaliser 8 éclairs comme ça. Donc merci à Nathalie pour sa super recette d'éclair rose bonbon à la fraise. Et grâce au Cuisine Compagnon, vous avez vu, c'est très facile. Alors maintenant, c'est à vous.